compagnons, on est le 16 septembre et la journée a commencé, il doit être 13h30, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de bruit derrière moi, j'espère que vous allez m'entendre et je vais vite vous montrer pourquoi il y a beaucoup de bruit. Je vous cache pas que j'aurais préféré le silence, le calme et surtout pas ce qui vient de se passer. Parce que ouais, ça fait chier. Vous l'avez compris, on est à plat. Et alors plat de chez plat. Donc on vient de s'en rendre compte, en fait on est arrivé au parc national de Blue Hole qui en fait c'est pas le Blue Hole que vous connaissez au Belize et qui se situe dans la mer des Caraïbes qui est absolument, c'est l'énorme trou bleu. C'est un autre parc, ça c'est un parc national avec à l'intérieur un cénote. Et du coup on a décidé en quittant la marina de Belize City de venir s'installer ici. Le coût de la nuit est de 5 Belize par personne. Les enfants ne payent pas, en tout cas les nôtres sont trop jeunes. Donc ça fait 2,50$, donc à peu près 2€ la nuit, ce qui est franchement raisonnable. L'endroit est très sympa, les gens sont super sympas aussi. On va se mettre là-bas, donc, je vous filmerai quand on arrivera à s'installer. Mais on ne savait pas qu'on était à plat. Et là, le problème, c'est qu'on est vraiment trop à plat pour prendre le risque de tourner comme ça et du coup de vraiment défoncer le pneu. Donc là, Seb va brancher le compresseur. Il va essayer de la regonfler le temps qu'on s'installe. Et ensuite, on va poser la roue de secours et voir si on peut faire réparer celle-là. La route qui nous a amenés jusque-là était superbe. C'était dans les montagnes avec une végétation dense et extraordinairement belle. Donc voilà, le lieu est très sympa et puis j'espère qu'on va pouvoir en profiter dès que ce pneu sera réparé. Bon, bah, contre mauvaise fortune, il faut faire bon cœur. Hein. Donc Seb vient de changer la roue avec l'aide des gens d'ici qui sont adorables. Franchement, les gens sont profondément gentils, il n'y a pas à dire. Et alors on s'était dit, on espère que c'est un petit trou et que bah, ça ira. Mais là, le pneu est mort de chez mort, regardez. Hop. Donc on est bon demain pour aller à Belmopan, y retourner parce que là on en vient, on est passé par Belmopan et puis acheter un nouveau pneu et je dirais même deux pour pouvoir changer la roue de secours à laquelle on n'a pas méga confiance parce qu'elle est en bon état. Le problème c'est que la date d'expiration est passée donc c'est un peu risqué et du coup on a décidé de se faire un petit pique-nique. Hop. Vous avez vu, il y a quelqu'un, on vous en parlera plus tard. Je sais pas, ça va et toi? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'ai un œuf là. Tu sais pas, mais tu manges un œuf là? Oui, là. Et est-ce que c'est bien? Bien. Il est bon cet œuf? Oui. Qui c'est qui l'a cassé? Maman. Non, maman elle a fini de les caler, mais qui c'est qui l'a cassé au début? Pouti. C'est Pouti Pouti? Oui. T'es fière de toi? Oui. Bah tu peux. Ouais. Et toi ma chérie, tu fais quoi? Je fais un œuf. Bon, j'étais en train d'écrire là, juste ici, pour faire un peu le point de nos bivouacs au Mexique et puis mettre à jour ceux du Belize. Et puis j'allais continuer un petit peu l'écriture du livre. Puis je voyais un espèce de truc qui se baladait là comme ça, noir. Tiens, je voulais voir ce que c'est. Il faut vraiment que je vous montre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Une araignée. Araignée. Est-ce qu'elle est grosse? Oui. Un grosse, là. Une grande grosse là? Là. Juste là? Oui. Elle est énorme.
journée qui commence. Alors, les enfants sont restés à la caravane avec notre nouvel au pair dont on vous parlera tout à l'heure. Et bah, ça commence mal pour elle parce que pas de chance, enfin pas tant pour elle, mais premier déplacement et puis on crève. Donc là, on est chez Caribbean Tire et ils ont énormément de trucs pour les pneus. Donc on a racheté un pneu pour Liberty. Le pneu nous coûte avec les taxes, on est à 303$ Belize, donc on est à un peu plus de 150$ US, donc c'est sûr que c'est plus cher que ce qu'on avait dû payer aux États-Unis quand on avait fait changer les 4 de Liberty, mais c'est pas grave, hein, voilà, ça pourrait toujours être pire. On a de la chance, c'est un endroit où ils ont vraiment plein de trucs. On a dû racheter aussi des espèces de boulons parce que il y en avait un d'entre eux qui s'était fissuré, donc on en a pris plusieurs pour pouvoir les changer au besoin. Donc voilà, c'est juste un contretemps, mais c'est pas si grave en soi. De toute façon, il y a toujours des choses beaucoup plus graves dans la vie. Puis voilà, on est plutôt du genre à relativiser. Donc ça se passe super bien avec les enfants. Voilà, on s'entend, l'entente se passe très très bien avec la jeune fille dont on vous parlera tout à l'heure. On est très content qu'elle soit là, elle est très douce et les enfants l'aiment beaucoup. Donc je pense que vous l'aimerez aussi. Et c'est le plus important que ça se passe bien tous ensemble. Donc là du coup, aujourd'hui on s'occupe de ça. Moi je vais faire le linge parce qu'on a un linge de fou à faire. J'ai trouvé, on est à Belmopan, c'est la capitale du Belize. C'est pas si grand en fait, c'est une capitale mais vraiment la ville est pas immense. Donc je vais aller faire le linge et puis on a tout un tas de choses à terminer d'ici là. Et puis on rentrera cet après-midi à la caravane, on pourra changer le pneu. Là ils sont actuellement en train de monter le pneu sur la roue. Et puis voilà. Et demain on a prévu un programme sympa, je pense que ça va vous plaire aussi. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça nous plaît à nous. Bon bah apparemment on a un pneu qui du pick-up, il y a une vis dedans. C'est même pas apparemment, c'est sûr, il y a une vis. Et c'est pour ça qu'on a un pneu qui s'use plus que l'autre parce qu'il y a une différence d'auteur, donc il est plus usé. Donc, on va faire réparer ça. Salut les compagnons, nous sommes dans un endroit paradisiaque. Liberty est juste là, les montagnes de la jungle sont juste à côté. On était un peu dégoûtés parce qu'on n'a pas du tout aimé Belize City et on s'était dit que bon, on resterait plus très longtemps en Belize et qu'on allait bientôt passer au Guatemala et puis finalement on est arrivé ici. T'as oublié quelque chose, en fait on avait prévu de descendre dans le sud du Belize à Placencia exactement, oui. Et le problème en fait, il s'avère qu'en ce moment ils ont une invasion absolument colossale de sargasses. Et faire 600 bornes aller-retour pour en fait aller voir de la sargasse. On vous met d'ailleurs à quoi ça ressemble. Et donc ces images sont tirées d'internet, hein. c'est pas les nôtres puisqu'on n'y est pas allé. Et du coup, on a réfléchi, on s'est dit non, en fait ça vaut pas le coup. Donc on avait quand même envie d'un peu de fraîcheur, donc on est venu sur les montagnes et là je pense qu'on a pris la plus belle route qu'on ait jamais pris. C'est ça, quasiment. C'était juste magnifique. C'est ça, elle s'appelle Hummingbird Highway et c'est magnifique. En fait c'est une route, ici c'est considéré comme une autoroute parce que c'est une grande route, mais ça reste magnifique, c'est à travers les montagnes et puis on a un paysage à couper le souffle. On s'est régalé là, de le faire. C'était vraiment génial. Et pourquoi on est resté quelques jours à Belize City? Qu'est-ce qu'on attendait là-bas? On attendait quelqu'un. Et ce quelqu'un, en fait, c'est notre nouvelle fille au pair. Et elle est juste là-bas devant avec les enfants. Loulous. Et on va vous la présenter à travers cette petite balade qui va nous amener au Blue Hole. Et en fait, Blue Hole, c'est ce qu'on dirait en anglais un spring ou en espagnol un cénote. Voilà. Et c'est parti pour la petite présentation de Fiona. Salut Fiona. Bonjour. Alors, en quelques mots, qui tu es? Je suis Fiona, j'ai 24 ans et je suis leur nouvelle fille au pair. Ok, qu'est-ce qui t'a motivée à venir nous rejoindre? Découvrir ce qu'ils font un petit peu, leur voyage et m'occuper de ces petits enfants, c'est très sympathique. Voilà. Super. Tu viens d'où? De France, du sud de la France. Ça fait quoi comme étude? École d'infirmière et puis j'ai été fille au pair à Courchevel pendant un hiver et aux États-Unis pendant un an. Cool. Voilà, troisième expérience d'être fille au pair. Tu restes avec nous pour combien de temps? Après.
Jusqu'à fin novembre, début décembre. Oui. Quelque chose comme ça. Et après on verra. Et après on verra. Super, bon. On va faire cette petite marche. Ouais. Allez. Super, c'est parti. Oui, c'est une fourmilière. Ah oui, une fourmilière, attention. Oui, attention. Oui, Trésor. Elle s'appelle comment cette nouvelle fille au père? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Granny Tata. Mais non, c'est pas Granny, c'est qui? Sena. Oui. Elle est gentille? Oui. Vous jouez bien? Oui. Bon. On y va? Oui. Allez. Que t'as vu? Bah, j'ai vu un beau oiseau et il était sur la branche et il a volé. Oui. C'est vrai? Oui. Eleanor lui trouve tous les animaux. C'est pas le premier qu'elle voit et celui-là était vraiment magnifique. Je crois qu'il s'appelle un jamacar. Si on n'arrive pas à vous en filmer, on vous mettra une photo là, juste comme ça, pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble. Il est absolument magnifique. Dans mon cœur. Oui. On continue? Oui. Allez, vamos. T'as pas vu les animaux, c'est dommage. Oui. Ah, on va aller en voir d'autres. Oui. On va aller se baigner. Bah oui. Bah oui, fait chaud. Ah bah oui. Ça coco Rio. Il est incroyable. Tu peux juste les regarder comme ça. Ah oui. C'est joli comme couleur, hein. Ah bah oui. J'aime beaucoup. Maman, mais sauf toi, t'as pas trouvé d'animaux, mais moi je trouve beaucoup d'animaux. Tu as raison, mon père. Moi aussi, je trouve d'animaux. C'est beau comme couleur, hein. Oui. Des champignons. Let's go. Yeah, let's go. Alors, en parlant de filles au père, vous êtes nombreux à nous demander, en fait, comment va Manon? Est-ce qu'on a encore des contacts avec Manon? Bien entendu, nous avons des contacts avec Manon, nous avons des contacts avec elle presque tous les jours. Elle va très bien, elle est rentrée à l'école, elle a repris ses cours. Et voilà, donc elle va bien, puis elle lit vos commentaires aussi, donc merci pour tous vos commentaires pour elle. Et puis voilà, puis bah là on va démarrer, enfin on démarre avec Fiona, une nouvelle expérience, et ça démarre quand même déjà plutôt bien. Elle est avec nous depuis quelques jours et les enfants l'adorent déjà, ils l'ont vraiment adoptée, donc on est vraiment content parce que bah, on a toujours un peu peur que les enfants n'accrochent pas avec la fille au père, et ben là ça démarre plutôt bien, donc c'est vraiment cool. Nous sommes arrivés après 30-40 minutes de marche, nous sommes arrivés ici au Blue Hole, là où les enfants sont venus hier avec Fiona. Ils sont arrivés en voiture et bien nous on a fait toute la route à pied et on va aller découvrir à quoi ça ressemble. Il paraît que c'est magnifique. Venez avec nous.
grotte en rivière et que vous allez voir là-bas, il y a une petite grotte en rivière, c'est trop drôle. C'est beau ? Bon, c'est passé super vite, c'est déjà l'heure de la fermeture, donc ça nous a fait du bien. L'eau est assez fraîche, mais c'est assez rafraîchissant, surtout qu'on avait quand même marché pour y arriver. Et là, du coup, on va rentrer au camp de base, j'ai envie de dire. Mais on va pas prendre le trail parce que comme c'est dans la forêt, on risque d'être envahi par les moustiques, ça va être une horreur. Donc soit on rentre par la route, soit on se fait ramener par quelqu'un à voir ce qui va se faire. Et ce soir, Fiona et moi, on part faire du cave tubing dans les caves. On va essayer de vous filmer ça, j'espère que vous verrez quelque chose. Donc je ne pense pas, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'on va vous raconter comment ce sera. Et j'ai trop hâte de le faire. Alors Fiona, c'est comment le Belize ? C'est super beau. C'est beau ? C'est très sauvage, c'est très vert. Et les gens sont plutôt sympas. Voilà. C'est comment le Belize ? J'adore. Bébé, moi ? Vraiment, j'adore. Oui, porte bébé toi, parce qu'on va, je pense qu'on va te marcher un peu. Merci. Allez, on y va. Comment elle va la petite randonneuse ? Bah ça va. Bah ça va ? Ça va pas plus que ça ? Non, si. Si ? T'as pas envie de marcher, c'est ça ? Ça va, maman. Bon, j'ai beaucoup marché, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de marcher, là. D'accord. C'est pour ça. Un c'est thé ça. Indien, enfin, qui vient du Népal. Tu montres qu'est-ce qui reste dans ton verre ? Pas grand-chose, hein ? Pas grand-chose. Est-ce que c'était bon ? Oui, c'est bon. Moustache. T'as une moustache ? Oui, moustache. C'est drôle ça ? Oui, drôle ça. Bon, est-ce que tu veux dire avec maman ce que je voulais dire ? Ah oui. Allez, super, regarde, je vais me mettre à ta hauteur. Comme ça on va pouvoir le faire ensemble. Attention à ta petite tête ici. Hop, tu t'assois ici ? T'as peur ? Moi ? T'as peur ? Non, regarde. Bon, alors, on a fait quelque chose d'assez important ce soir. En fait, j'ai envoyé plusieurs emails il y a quelques jours dans des instituts. On vous expliquera ça dans la prochaine vidéo parce qu'on va pas trop vous en parler. Mais ça fait longtemps qu'on a envie d'apporter une dimension d'aide humanitaire en quelque sorte, ou en tout cas vraiment pouvoir faire des choses utiles et continuer à véhiculer ces idées qui nous tiennent vraiment beaucoup à cœur. D'accord. Donc ce soir, on est parti dans un endroit où vous nous verrez dans la prochaine vidéo, puisque vendredi, c'est la fête du petit perroquet. Vendredi, c'est la fête nationale du Belize le 21 septembre et on a décidé d'organiser quelque chose histoire de faire plaisir, de se rendre utile, de faire des choses bien et de continuer à véhiculer des messages importants à nos yeux. Donc du coup, on a terminé un peu plus tard que prévu. Alors on a décidé d'aller manger en ville. Et moi qu'est-ce qu'on mange ici ? Je sais pas. Tu sais pas ? Poulet, croque, pizza. Du poulet qui croque et de la pizza ? Pas du tout. On est dans un indien. On a mangé indien ce soir. Indien. C'était bon ? Ce soir. Oui, c'est bon. Ça, chérie, faut que tu parles là. Ah oui. Alors, on va dire aux compagnons que c'est la fin de la vidéo ? Oui. Tu leur dis, c'est la fin de la vidéo. Enfin, la vidéo. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Je sais pas. Ils mettent un petit pouce ? Un petit pouce ! Un petit pouce ! Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ! Tout à fait ! Et on vous retrouve dans la prochaine ? À vidéo ! Et Nana, on va faire... Non, moi ! Vas-y ! Je peux aller où ?